Je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre d'avoir de l'argent en illimité sur Hogwarts Legacy. Donc quand vous êtes dans les airs, déjà il faut savoir que si vous faites flèche de gauche, vous pouvez voir toutes les icônes. Et les icônes qui nous intéressent dans cette vidéo, c'est des icônes en forme de pattes qui nous indiquent les emplacements de lieux où vous allez pouvoir capturer des animaux. Donc regardez, là ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous poser près des animaux. Ensuite, vous sortez votre sortilège pour les attraper. Donc, il faudra avancer dans l'histoire pour pouvoir débloquer ce sortilège. C'est exactement le sac de capture que vous allez devoir débloquer pour réaliser cette astuce. Ensuite, quand vous avez ce sac, ce que vous faites, c'est que vous allez près d'un animal et vous le capturez comme ceci. Donc là, je vais en capturer plusieurs pour remplir mon sac. Alors, regardez, là, il n'y en a plus autour de moi. Donc, quand il n'y en a plus autour de vous, ben, pour les faire réapparaître, c'est tout simple. Vous allez sur votre carte et vous vous tapez à un endroit, puis vous revenez à cet emplacement-là. Quand vous zoomez sur votre carte, vous voyez aussi tous les emplacements des animaux. Il n'y a pas que là, il y en a vraiment partout. Ensuite, quand vous avez plein d'animaux, ce que vous faites, c'est que vous allez à Préolard et vous allez dans cette petite boutique. Donc, je vais m'y rendre, vous allez voir. Quand vous êtes chez ce vendeur, ce que vous pouvez faire, c'est vendre tous les animaux que vous avez capturés. Et regardez, vous pouvez les vendre 120 pièces directement. Donc, si vous remplissez votre sac à dos de 20 emplacements, 20 emplacements d'animaux, ça vous fait 20 fois 120, ça équivaut à 2400 pièces d'or très rapidement. Et logiquement, vous pouvez gagner 35 000 pièces d'or par heure minimum. Donc, c'est la meilleure astuce actuellement. Donc, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à le dire en commentaire.